jour, alors que ces deux garçons jouaient ensemble, l'un d'eux est tombé d'un train. Lorsque son ami s'est approché pour l'aider, il s'est avéré que le garçon jouait la comédie. Le garçon rajoute une couche en disant à son ami qu'il a vu un renard derrière lui. Mais cette fois-ci, il ne le croit pas et il se met alors à courir pour aller vérifier. Seulement, sur le chemin, ils finissent par tomber sur des sables mouvants. Et le garçon au crâne rasé se retrouve pris au piège. Il demanda de l'aide à son ami pour qu'il puisse sortir de là. Mais le garçon refusa. En utilisant toute sa force, le crâne rasé réussit finalement à s'en sortir tout seul. Mais pour se venger de sa méchanceté, il jette son ami dans les sables mouvants et se met à rire. Malheureusement, cette fois, le garçon était vraiment coincé et il n'arrivait plus du tout à bouger. Le crâne rasé s'est mis à paniquer et à aller chercher de l'aide auprès d'un adulte. Mais il ne trouva personne. Une fois revenu sur place, il a constaté que son ami n'était plus là. Au départ, il n'était pas triste, car il pensait que son ami se cachait pour faire une blague comme à son habitude. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il a vu un renard. Le garçon a alors pleuré parce qu'il s'est rendu compte que son ami n'avait pas menti. Par sa faute, son meilleur ami est mort.